Je prendrai cette belle phrase du père
Jean-Marie Petit-Clerc, qui est devenu dans notre paroisse il y a 2 ans, et qui maintenant, il est appelé au gouvernement pour les villes, pour faire quelque chose dans les villes, pour qu'il y ait, avec les jeunes, un changement dans les villes. Et le père Jean-Marie Petit-Clerc, qui est prêtre, elle disait dans une de ses homélies, ne parle pas du Christ, ne parle du Christ qu'à ceux qui t'interrogent, mais vis de telle façon qu'on puisse t'interroger. Amen. C'est le cœur en fait que nous sommes rassemblés dans cette église. Pensons à tous ceux qui ont pu se joindre à nous pour cause de maladie, et en particulier à César Piglat et M. Jomard, qui se faisait une joie d'être là avec nous ce matin, pour que la santé s'améliore et que nous ayons à nouveau la joie de nous retrouver tous ensemble, Seigneur, en tant que... nombreuses années, à tous les mineurs décédés du monde, en particulier à ceux qui ont été victimes dernièrement d'un coup de grisou en Russie et en Chine, et également des 2 jeunes pompiers victimes d'un incendie à Paris. Pour toutes ces familles dans la peine, Seigneur, entends nos prières. Seigneur, entends nos prières qui montent de nos cœurs. Pour ramasser les soirs, frère. Oh.
J'espère que vous n'oublierez pas le célébrant du Père Gilles.